grand-père s'est évadé d'ici à l'époque. Je serais pas là s'il était resté coincé. Ouais, c'est la grosse merde. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse. Une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille, mise à l'écart par sa propre communauté, harcelée par ses amis, maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé... Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle, si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et soudain... Le père tint sa parole. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Accepte la foi. Lâche prise. Laisse-toi guider par ta foi. Plonge.
Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Tu te sens différent. Tu te sens vivant. Le premier pas est le plus stressant. Mais on a tous confiance en toi. Suis le pèlerinage. Suis la voie. Je hais cette statue. On se verra bientôt. Les gens ont toujours été bizarres dans le coin. Mais là, c'est de pire en pire. On pense exactement la même chose. Mieux être prêt au cas où Face attaque. Faut que je vous dise quelque chose. Ma cousine dit qu'elle a entendu des fanatiques parler du Dead Man's Mill. Ils pensent que les cougars ont planqué du matériel derrière les chutes d'eau. Adios, officier. Attention, je bouge. Allez, c'est l'heure de l'abattage. Aidez-moi! Putain!
suis derrière toi. Eden's Gate envoie ses anges et ses tueurs faire des balades qu'ils appellent pèlerinage. Cet endroit en faisait justement partie. La foi régionale. Alors maintenant qu'on leur a pris, ils vont vouloir le récupérer. On nous a dit qu'un de leurs groupes approchait d'ici. Il faut défendre cet endroit coûte que coûte. Il y a une mitrailleuse et des joujoux salissants par là-bas. On se met au boulot ? Au final, c'est nous qui l'emporterons. La prise. Salut, mec. Monsieur. Salut, mec. Comment ça va?
Au nom de tous les Cougars, merci. On a remporté une victoire symbolique aujourd'hui. Au front, tout va bien, monsieur. Va vous figurer. Bien le bonjour, madame. Comment ça va, monsieur? Les gens vont pouvoir revenir prier ici, pour tout le bien que ça nous fait. Bonjour, monsieur. Sharky Beauchau vient de nous appeler pour dire qu'il avait trouvé un plan génial pour rayer la secte de la carte. Le problème, c'est que Sharky est con comme un pneu. Son plan doit pas valoir beaucoup plus. Des flammes comment partout ça va, monsieur? Dame? Tout va bien, monsieur? Heureusement que je suis là.